Bonjour les amis, bonjour les amis. Alors là, on va présenter cet habitant que vous connaissez et que le monde a oublié. La tanier, habitant qui fait partie de culture en nous. Culture en nous qui vient de plus en plus rare, mais des gens qui travaillent ça bien. Balé à la tanier. Alors moi, je suis un spécialiste en balé à la tanier. Et il va expliquer nous depuis 8 ans il a fait ça. Et puis, il va parler nous de ça. Il va expliquer notre savoir et ça important pour la culture. Nous allons voir tout de suite et quand on va voir, il y a combat, il y a travail. Bonjour. Bonjour. Jean-Raoul, putain, on va marcher bien. Ben, il va marcher comme ça après avec les affaires coronavirus là. Ouais, ouais. Bon, ça va tourner au ralenti. Ah. Ça se comprend, mais bon, en dehors de ça, ça fonctionne normalement. D'accord. Mais chaque fois qu'on va passer ici, on va voir toujours travailler, on va représenter la culture, toujours, et va balayer la tanière, c'est important. Absolument, parce que bon, c'est demandé de plus en plus. Les gens ont compris qu'il fallait retourner aux sources. Donc, ils viennent vers moi, non seulement pour en acheter, mais pour apprendre aussi à les confectionner. D'accord. Bon, donc j'ai une dame qui est passée tout à l'heure qui me dit, mon balai traditionnel à la tanière est usé, donc il m'en faut un autre. Donc, elle a pu récupérer un balai là tout de suite. Elle m'a dit, je n'achète que ce balai là. Ah. Les balais vendus en supermarché ne l'intéressent pas. Voilà. D'accord. Donc retour aux sources, la tradition, c'est ça. Hein, tout. D'accord. Mais ça veut dire que on peut apprendre le monde fait aussi. Quoi. Bon, on peut apprendre le monde qui est intéressé. D'accord. Parce que ce truc-là, il faut le transmettre. Hein. Oui. Bon, en l'occurrence, il aurait fallu que ce soit transmis à des jeunes. D'accord. Bon, mais les gens qui sont intéressés, qui sont venus me voir jusqu'ici, ce sont des gens d'un certain âge quand même, qui ont dépassé la quarantaine. D'accord. Et bon, j'aurais aimé avoir des jeunes pour leur transmettre ça. Bon, et eux, de leur côté, ils transmettraient après. Voilà. Bon, là, j'ai deux prestations assurées au mois de juin. Début juin, le 7 et 8 juin, là, du côté de Néron. Ah. Bon, ça, c'est une deux journées de démonstration de confection de balais. Bien, c'est pas tout à fait à Néron, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive à la petite croix, là, à la petite d'accord, chapelle, on prend à droite. D'accord. Et la maison, je me souviens plus de son nom, c'est peu de kilomètres après le carrefour, d'accord. Et c'est là que ça se passera. Ah d'accord, donc c'est ouvert au public ou bien ? C'est ouvert au public, d'accord. Et les gens viendront pour apprendre à confectionner les balais. D'accord. Donc j'emmènerai tous les ingrédients qu'il faut. Manches, feuilles, liane molle, etc. D'accord. Donc on va donner ton numéro après pour au cas où. Oui, exactement. Le numéro il est affiché devant la voiture, je redonne. C'est le un portable 06 90 74 38 03. D'accord. Et moi je suis monsieur Flessel. Oui, avec deux L, ça dépend comment on les dispose. Comme c'est écrit sur le haut. Exactement. Bon, je suis le cousin de la guêpe. Ah, d'accord, d'accord. Ah, c'est pour ça. Donc...